Et bonjour à tous, c'est Coris et on se retrouve sur... Ah oui, bah oui, c'est pour ça qu'il est sur mon bateau. Ah oui, c'est toujours le même en fait. On se retrouve sur Assassin's Creed Odyssey et on va aller tabasser des ennemis en mer. Du moins, on va essayer, hein. À vos postes de navigation. Là-bas, Alors, on a une cible de ce côté. Mais j'ai peur que tous ceux qui on peut sont repérer là... ça. Tous ceux qui sont là, ils vont me foncer sur la gueule ou pas? Non, mais pourquoi c'est un bateau spartiate que... Ça m'embête ça. Archer! Prêt! Bon, l'avantage c'est que Dépêche! du coup... Faut éliminer les patrouilles avant qu'elles n'appellent des renforts. Accrochez-vous bien! Raté! Forcez l'allure! Ah merde, celui-là aussi, il faut que je la batte. Ça, c'est naviguer! Là! À bord! Allez, on tire! Oh! Avancez-les! Tirez sur eux! Voilà, un de moins. Eh bien, on a survécu. Oh, attends, hein, Faut que je le donne. crie pas victoire tout de suite. Parce que notre cible, elle est pas du tout là, elle est là-bas. Plus vite! Et c'est un plus gros bateau. Vitesse d'épronage! Non, pas vitesse d'épronage du tout. Non, c'est pas là que ça me désignait? Archer, préparez-vous! Il va falloir se battre! Commencez à ramer! Archer, tenez-vous Si, prêts! ça me le montrait On bien. va les incendier! Maintenant! Je crois qu'ils vont nous éprôner! Hop là, on va accélérer un petit peu. Sortez des rames! J'ai besoin d'archers! Ils forcent l'allure pour nous frapper! Mais rien du tout, regarde! Paré à tirer! Ou alors de l'autre côté, mais j'ai pas le temps de tourner là. J'ai tout tiré dans le haut. Préparez-vous! Il y a le feu! Maintenant! Lancez vos flèches! Raté! Là, en tournant autour, l'avantage c'est que j'avais toujours qu'un qui peut me tirer dessus. Attention, capitaine! Ils viennent par ici! Au fond de l'allure! Plus de vitesse! À vos flèches! Ok. Préparez vos armes! Allez, rameur! On pivote. Lâchez les flèches! Oh, bon sang! Augmentez la vitesse! Oui, on récupère, on récupère. Sortez-moi ces rames! Archer, soyez prêts! Allez! Allez au maximum! Je les ai pas abattus là, mince! Moi j'étais persuadé que c'était bon là! C'est bon. Mettez le feu à vos flèches. La terre flotte. Il faut que je retrouve le départ. Bon. En avant. C'est bon. Ah, je suis un peu bloqué. On a retrouvé toute notre vie. Par contre, il faut que je retrouve aussi le dernier carnet, moi. Il est où le dernier carnet? Il faut que je me balade pour le trouver, c'est ça? Ouais, je sens que ça va être ça, hein. Je sens que ça va être ça. Ah, bah, il n'y a pas fallu trop longtemps.
Voilà ce que je cherche. Voilà. Bon, attends, on s'arrête là. Avant, il y a, un truc à ramasser là. Là, ça a l'air d'être précieux. Non, t'en vas pas, reste avec nous. J'ai un cadeau. Allez, faites vitesse. Je suis en train de le... Désarcher devant. Attaquez. Utilisez des flèches enflammées. Bon, il y a l'autre à côté, là, du coup. Bon, bah, écoutez, hein. À vos armes. Bon, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui nous avait foncé dedans, mais pas du tout. En avant. Des choses à remonter près d'ici. Rejoignez le large. Vitesse maximum. Préparez vos flèches. Lancez une volée. Allumez les flèches. Ce navire va nous toucher. Archer. Tirez. C'est bon. Oh. Ah, oula. Oula, oula. Ah non, c'est juste... Ah, j'ai le lance-flamme. RT. RT pour le lance-flamme. Maintenir RT consomme... Ah, ce fut rapide hein, pour l'avoir. Ah, attendez. C'est pas ça? Si. Wow. Donc je peux les chasser comme ça et brûler tranquillement tout ce qui se passe devant moi, voilà, hein. Et allez, vas-y qu'on met des flèches incendiaires et vas-y qu'on... Non mais ça va bien, hein, voilà. Ah, il y avait encore des loots. Ah, du bois on en a, ça a du bois, hein. Il n'y a pas de souci, on a ce qu'il faut. Une baleine. Tu veux rôtir? Poisson rôti. Ça consomme quoi? D'accord, ça consomme de l'endurance. Ok, bon écoutez, comme les autres attaques, donc à la limite, pourquoi pas. C'est pas mal, ok. La ville, elle est là-bas. Hein. Et j'ai récupéré un point de compétence. Aptitude. Alors, sur quoi je peux le mettre? On va rester sur guerrier, hein. Ça me rajoute presque 2% hein, de dégâts de guerrier. Santé plus 2%, c'est pas mal, c'est pas énorme. Ah, 6% à l'armure totale. 6% à l'armure totale, ça peut être intéressant. Hein. Très intéressant, même. Dégâts infligés rétablis en tant que santé. Je prends des dégâts, mais... Oui, bah ça à la limite... ouais. Dégâts de feu. Ah, les dégâts de feu, par contre, vu tout le feu que je fous pas à droite à gauche, c'est peut-être intéressant. Hein. 2% en plus. On va mettre ça. Allez, la santé en plus. Regarde, Alexio. Quelle nuit merveilleuse. Oh, oui, oui, c'est très beau. Sur Kefalonia. J'allais m'allonger sur le toit. Et je m'endormais sur les... Je les ai toujours vus comme une création des dieux pour nous guider, nous indiquer notre chemin. Et toi? Non. Ah, allez, dis-moi. Vas-y. Bien, pour moi, ce sont des... Il nous la joue à la royaume. Très éloigné. Quelle imagination. Mais dis-moi, Pumba. Je te le dis, peu importe. Tu seras étonné d'apprendre que beaucoup sont venus là. Mais cela restera un mystère. Ah papa, non, tu le sauras un jour vu que tu vas rester jusqu'à notre époque. Finalement, toi tu le sauras. Mais oui, ça me faisait penser à la scène dans Le Roi Lion avec Simba qui dit que c'est les grands rois du passé et Pumba qui est le seul à avoir la réflexion de dire que c'est des boules de gaz qui brûlent à des milliers de kilomètres d'ici. Voilà, voilà, comme quoi hein, le plus idiot n'est peut-être pas celui qu'on croit. Avec Timon, je sais plus ce qu'il avait dit. Ah oui, c'était des lucioles.
Ouais, le timon, c'était du chiol. Le calme avant la tempête, le pire jeu de mots du monde. Je vous remercie pas pour ça, hein, franchement. Mais bon, on va y aller, oh, c'est bon. Retrouver Nima à la cachette du bateau. Ah oui, c'est vrai qu'on a un bateau cachette. Ouh, ouh, ouh. La première fois qu'ils se sont vus, père a failli le tuer. Si je ne les avais pas arrêtés. Ah. Qui aurait gagné, d'après toi? Disons que je me débrouille. Savoir de qui, de ton père et de ton futur compagnon, hein, c'est ça? Tout le monde est là, parfait. Nous avons fait tout le nécessaire. Maintenant, nous devons faire sortir les réfugiés de la Gaïa. La tempête est partie installer le souffle de la chimère sur le Scylla. Nous aussi, maintenant, nous avons cette arme. La tempête ne va rien comprendre. Oh, bon, bah, c'est positif, hein. Chimère, elle n'a aucune chance. Après tout, ne suis-je pas l'élu de Poséidon? Faut arrêter avec ça. Même Darius, ça fait pas marrer. Oh, c'est une privée de joke. Nous allons surprendre la tempête. Avec l'aide de Barnabas, nous allons attaquer par la mer. C'est avec le souffle de la chimère que nous pourrons neutraliser le Scylla et sauver tout le monde. Quant au vaisseau marchand... La diversion devrait leur laisser assez de temps pour partir. Nima et moi allons nous assurer que tout le monde monte à bord. C'est notre seule chance de quitter la Kaya. C'est risqué, hein. C'est risqué de mettre tout le monde ensemble. Si l'ordre apprend que vous êtes tous les deux sur ces bateaux, vous aurez des ennuis. Et s'il vous arrête en pleine mer, vous serez coincé. Qu'en penses-tu, Nima? Que j'ai raison. C'est notre seule chance. Vous devez la saisir. Très bien. Mais c'est super dangereux. D'ici je sais pas. Là, nous allons devoir trouver un endroit où nous cacher. Un endroit sûr. À vous cacher? Moi, je vais vous récupérer. Un endroit idéal. Une maison sur la colline près de Dimay. Allons-y, maintenant. Il y a des petits regards. Ça ressemble beaucoup à la maison de départ de d'Alexios. Elle beaucoup, beaucoup. À l'un de mes amis. Il a bien essayé de quitter la Kaya, mais il n'a pas réussi. Je dois aider les autres à se préparer. On se revoit bientôt. Cet endroit a quelque chose de... De familier. De profondément ennuyeux. Quel magnifique endroit. Si tranquille. C'est vrai. Dommage qu'on ne reste pas. Alexios, il pense plus qu'à une retraite, là. Bon. Que fait-on? On continue à fuir, j'imagine, comme toujours. Il y a du vin, c'est déjà ça. Alors s'il est là depuis 15 ans... Oui, c'est déjà ça. Non mais les deux là, c'est bon, hein, parlez-en. Hein, je... Non, non, bah d'accord, bon bah parlez-en pas alors. Bon tu... Oh, mais sérieusement, ton père est un homme brillant. C'est vrai, oui. Mais pour ce qui est des émotions, on ne peut pas dire qu'il les montre. Les gens, le pauvre, comme nous, toujours en fuite, ont du mal à se faire des amis. Et pourtant, nous nous sommes rencontrés. À notre amitié. À notre amitié. Ça fait des sacrées coupelles quand même, hein. Oh, ce petit sourire, Darius. Voilà. On l'a vu, ton sourire. Et les larmes au bord des yeux, là. Hein. Oui, ta fille trouve quelqu'un. Bon, tu vis un peu mal. T'as toujours vécu avec elle. Elle a protégé. Mais là, il n'y a plus quelqu'un d'autre pour le protéger. Contre Macédoine. Nous avons mangé du sanglier sous les étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais chez moi. Je ne l'avais pas ressenti jusqu'à...
jusqu'à ce soir. Alors tâchons d'en profiter. Il faut que j'aille retrouver Darius et les autres. Les réfugiés doivent déjà être sur les quais. Bon, c'est tout, hein. C'est coupé un peu brusquement, là. Je veux dire... Non ? Bon, d'accord, tant pis. Là ? Pourquoi pas ? Je me trompe de bouton parce que c'est l'inverse de Red Dead. Voilà. Pour... les manettes, alors je joue à la PS4, je joue à la Switch et je joue au PC avec une manette. Oui, je sais, c'est une aberration pour certains, mais pour certains jeux, c'est quand même vachement plus sympa. Le souci, c'est que bah, sur chacune de ces manettes, les codes sont différents. Notamment entre A et B pour la Switch et les autres. Et là, c'est bah, par exemple entre Red Dead, on appuie sur la croix directionnelle en haut pour appeler le cheval. Et Assassin's Creed, on appuie sur la croix directionnelle en bas pour appeler le cheval. Voilà. Du coup, à chaque fois, j'enclenche le radar qui est sur la croix directionnelle en haut. Ça fait une explication beaucoup trop longue pour ce que j'avais à dire, mais voilà, c'est pour l'explication. Et puis de toute façon, il ne se passe rien. Mais en fin de compte, un sanglier. Oh, mais sanglier, je peux pas y dresser. Donc ça ne m'intéresse point. Ça ne m'intéresse point, monsieur. Fallait mettre dressable. Là, ça m'aurait intéressé. Parce qu'un sanglier en combat, ça doit être un rageur. Hop, pardon. Mes amis... C'est sans doute la dernière fois que je les vois. Tu vas bien les revoir. La dernière fois que j'ai vu ma fille là, nous nous sommes disputés. Nous nous disputions toujours. Si seulement je lui avais dit combien elle est importante pour moi, combien je suis fière d'elle. Maintenant qu'elle est revenue, j'ai peur de ne pas la reconnaître. Ouais, ça se comprend. C'est complet. Oh, même elle le voit. La véritable amitié est chose bien rare, Alexios. Réfléchis avant de les laisser partir. Oui, les véritables amis sont durs à trouver. Et peut-être suis-je en train d'en laisser partir. Je ne sais pas. Bah, faut dire que tous tes anciens potes sont morts, alors ça aide pas, hein. Si ça a filtré qu'ils sont dedans, dans un pauvre bateau qui est désarmé... Ah, ah bah ils sont pas partis. J'ai pas compris. Ah, par contre... Que se passe-t-il ? Une gigantesque flotte se rassemble pas très loin. Ah bah voilà. Ça a l'air d'attendre quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bah eux. C'est la tempête. Le navire. Tous ces gens. J'ignore comment. Mais elle est au courant. Ouais, il faut faire des diversions vite. Et d'un seul coup... Ils ne nous auront pas. Je les coulerai jusqu'au dernier. Comment ? Barnabas, prépare le navire au combat. Et le souffle de la chimère. Oui, capitaine, il est déjà prêt. Renvoyons cette tempête. Un seul bateau contre tous. Pourquoi pas, mais bon. Allons les occuper ici. Bonne chance, Alexios. Et éviter que les autres y partent trop loin en attendant, enfin, je veux dire... La base enfin, doit se trouver à bord de la Drestia. Il faut que je me dépêche. Chouhou ! Je pense que c'est le seul bateau où c'est normal de voir apparaître le capitaine comme ça. Hein. Merci, Barnabas. Voyons de quoi cette arme est capable.
La baleine en plein milieu, quoi. Franchement, pas mal du tout. Ils sont mis le feu tout seul. J'aime ça. Oula, merde. Je me dirige vers le récif, ça va être compliqué. Je suis en train d'essayer de les distancer pour récupérer. Enfin, pour pouvoir les recharger, mais. Ils ont l'air d'être rapides. Donc, un de moins déjà. Mince. Il fallait que je l'arrête avant qu'il nous charge, quoi. Là, mince, raté. Je voulais tenter d'esquiver, mais ça n'a pas marché. Mince. Et ensuite... J'ai plus beaucoup de vie. On va s'écarter. Voilà. On a l'air de porter. Normalement, à chaque fois qu'on abat un bateau, on regagne de la vie. Faut que je compte là-dessus. Ils vont nous frapper de plein fouet. C'est mauvais pour nous. Allez, c'est foutu. Allez, on recommence. Ouh, c'est pas évident, hein, les bateaux. Hein, c'est pas évident du tout. On va essayer d'attaquer les petits en premier. Refliez la voie, vite! On passe dans le combat! Voilà! Eux, je leur fais vraiment mal quand je fais ça. Vitesse maximale! Ils viennent droit sur nous! Raté. Plus vite! Il faut bouger avant qu'il nous frappe! Il y a beaucoup trop de bateaux! C'est n'importe quoi! Je tire dans tous les sens! Je finirai bien par en toucher un! Une autre volée! Oh, j'ai déjà plus de vie! Ils essaient de nous effrayer. Oh, on peut recommencer là, j'ai plus de vie! On va voir si ça vient. Ah bah il est endommagé, ouais, léger. Voilà, allez, on est foutu. Ah, attendez, si j'arrive à battre... Ouais, ça me rend pas assez de vie pour... Voilà. Ouais, ça va être compliqué, hein, ce combat. Ça va être très compliqué. Bah, qu'est-ce que tu fous sous la tête? Qu'est-ce que tu fous, là? Il est sous la toge de Barnabas. Va bien. Ok. Non, il faut que j'y aille beaucoup plus prudemment. Je sais pas. Le souffle de Chimène n'est pas si puissant que ça, en fait, donc... Merci, Barnabas. Voyons de quoi cette arme est capable. Des choses à récupérer, tout près.
Abaissez-moi cette voix. Si je m'écarte plus, il me capte ou pas? Non. Donc là, voilà. Préparez vos armes. Ils arrivent droit sur nous. Il a pivoté. Nous sommes à pleine allure. Capitaine, il se dirige droit sur nous. Attention à ces volées. On sent, même quand je me protège, on prend tellement cher que... Préparez vos armes. Malaka, ils t'arrivent droit sur nous. Archer, tirez sur eux. Plus de rats. Il va falloir. J'ai réussi à esquiver les deux. Hein. J'ai réussi à n'en toucher aucun des deux. Par contre, ils m'ont touché tous les deux. Nickel. Plus doucement. Bon, écoutez, ça a volé dans tous sens. Allez, on va attendre la désynchro. Allez, vas-y. Eh, vous allez m'achever, oui, parce que bon, merci. Bon, ça s'avère compliqué cette affaire. Eh ben écoutez, j'enregistre jusqu'à ce que je passe ça, et puis je vous mettrai le moment où je passe, hein, parce que bon. Ça me semble compliqué. Merci. Et le souffle de la chimère, on peut l'améliorer? Je me pose juste la question là avant parce que... Commençons par là. Je peux pas l'améliorer plus, mais bon, c'est déjà pas si mal. C'est un peu plus de dégâts et ouais. Voyons de quoi cette arme est capable. C'était très lâche hein, comme j'ai fait ça, mais ça a marché. Voilà, hein, je m'en fous du reste, ça a marché. En bref, au début du combat, j'ai eu d'autres bateaux qui ont été... Oh merde. Il est gigantesque. Bref, au tout début, j'ai eu un... J'ai eu un bateau qui les a tirés et du coup... Par contre, ils sont encore trois. J'espère franchement que ça a gardé la, la sauvegarde. Archer, prêt.
On se prend des flèches non-stop sur la gueule, par contre ça va être compliqué cette affaire. Bien. Si on arrive. Ah oui, c'est la guerre, oui, bah oui, merci. J'avais bien besoin que tu me l'expliques, ça. Ok. Un de moins. Et mais là on se fait bombarder non-stop et on peut rien faire. Très bien. Oui bah va falloir être prêt. Ce qui est bien c'est qu'ils sont rentrés l'un dans l'autre donc Ok, allez, il nous reste le dernier. En avant. Archer, préparez-vous. Trop loin. Trop loin, trop loin. Lâchez là. Lâchez les flèches. Tu les as eues. Tirez. Allez. On est touché. Il y a le feu. Plus de vitesse. Essayez. Nous sommes à près de la rue. Elle a tout. Hein, tant qu'à faire. Pourquoi? Bah, un jeu de mots sur le feu, couillon, Prométhée, le feu, tout ça, oh. Ah, ça te plaît pas, ça, hein. Oh, merde. Ah. Ouais. C'est... Vous avez besoin d'aide. Il vous faut... Ouais, mais laissez-la se débrouiller, hein. Je n'ai besoin de rien. Bon, au moins, on va pouvoir... Ah, bon, on va pouvoir la combattre de... face à face. Je peux essayer de lui proposer de pas se battre, mais franchement... Je pense que ça sert à rien. J'ai déjà détruit ton bateau. Ne m'oblige pas à te tuer. Toi, Amorgès m'a tout raconté à propos des impurs. Ce n'est pas de ta faute si tu es né tel que tu es. Arrêtez de mettre au féminin. De mourir comme tous les autres. J'obéirai à l'ordre. Phila, toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, elle est contente de voir sa mère. J'ai tant de choses à te dire. Je t'en supplie. Laisse-moi une chance. Tu l'as eu, ta chance. Tu as eu des années. Il fallait que je te protège. Tu m'as laissé me noyer. Qui m'a tiré du fond du trou, à ton avis? Ah bon? Toi? L'ordre et ma famille. Oh non, mais je pense que c'est une façon de parler. Souvenir. Tu n'es que le passé. Tu ne seras jamais l'une des leurs, Phila. Oh merde. Tu fais partie des impurs. Ah! Je sais ce que je suis. Amorgès m'a donné une raison de vivre. Il m'a guidée. Je ne suis pas un monstre. Je suis la tempête. Tu es perdu. Tu es la marionnette d'Amorgès. Ne le comprends-tu pas? Non. Nous sommes peut-être des impurs. Mais cela ne suffit pas à nous définir. Non. Je suis seule maîtresse de ma destinée. Ah, elle a eu un seule petit doute maîtresse quand même. De mon avenir. Phila, je t'en supplie. Toi, fais gaffe, tu vas finir par mourir si tu. Oublie tout cela. Rejoins. T'approches pas, elle va te planter. Après, si elle meurt, au pire, hein, c'est pas une grande âme. Et si je lui dis de rester en arrière, elle va faire ah bah oui, mais t'as pas confiance en moi. Elle peut pas prendre sa propre décision toute seule, genre comme ça, moi j'ai aucun. Enfin, comme ça, moi j'ai aucune responsabilité.
À mon avis, si je fais ça, elle meurt. Mais de toute façon, d'un autre point de vue, si je tue sa fille devant son nez, elle va être déprimée à vie et le vivra mal et va finir par jeter d'une falaise. Donc. J'ai besoin de toi, Cléta. Je t'en prie, tu as encore ta famille. Tu m'as encore. Ah, j'en étais sûr, Claude. Ah, bon, bah par contre, en attendant, on va la récupérer. Haha. J'espère que. J'espère qu'elle va s'en sortir, mais c'était peut-être. Tu es ma fille, Phila. Je n'aurais jamais dû te repousser. J'ai toujours été tellement. Même. Bon, au moins, elle retombe. Bon, c'est... on a sacrifié la mère, mais ça a sauvé la fille. Donc je suis sûr que. Ah, oh, bah non. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, bah non. Non. Porteur d'aigle. Mais j'ai rien fait, moi. Oh. Je bon vais bah. Ce monde de ta hop là, Doudou, Doudou. Doudou, on a dit. T'as eu de la chance, j'ai pas mis les flammes avant. Maintenant, c'est fait. Ouf, ah, elle fait mal. Hop là, raté. Oh bah, je croyais que t'as pas besoin d'aide. Pour quelqu'un qui a pas besoin d'aide, t'en demandes quand même vachement, hein. J'adore cette... Oui, c'était une facilité. Par contre, il va falloir que je récupère assez pour pouvoir me healer à l'occasion. Et... ouais, c'est bon. Hop là, un loot. Oh, un fromage de chèvre. Ça va nous servir, ça. Allez, crame. Voilà que je brûle. Dis-toi qu'avec la météo qui fait, tu brûleras jamais très longtemps. Je suis full vie. Si là, elle arrive à me faire suffisamment mal, je vais mal le vivre. Voilà. On n'a pas moyen de la récupérer ? Oh, c'est... pourquoi il... ah ! Il y a Darius qui nous a fait un cadeau. Tabou, accomplis ta mission, Tempête. Telle est la volonté d'Amorges. Nous ne sommes pas tes ennemis, Phila. L'Ordre croit te contrôler. Il pense que tu n'es qu'un instrument qui tue sur commande. Sois davantage. Ne le laisse pas te priver de ton humanité. Lève-toi et bats-toi. Fais pas trop le con quand même. Si elle te plante, tu vas avoir l'air con, hein. Eh, le laissez pas partir, hein. Déconnez pas. Une flèche dans la tête. Zou, tout de suite. Mère, ne meurs pas. Je t'en supplie. J'ai tellement de choses à te dire. Tu es ma fille, Phila. Oh, bah, elle est toujours pas morte. C'est bon, tout va bien. Fière, elle a été fière. Voilà, elle est fière de toi. Donc voilà, c'est... oui, non, c'est... j'ai pas réussi à m'attacher à la mère. Bon, par contre, Phila, c'est dommage qu'on n'arrive pas à la récupérer. Il n'y a pas de vie simple pour nous. Seulement la mort. J'ai toujours su que cela se terminerait ainsi. Ah bah, c'est dommage. Non, la mère, elle est pas encore morte, elle bouge encore. Il y a un bug qui fait qu'elle bouge. La mer est libre. Il faut partir tant que nous le pouvons encore. Au moins sont-elles ensemble désormais. Bon, bah voilà.
Mon petit bateau. C'était le petit bateau de la tempête. Darius et Nima vont bientôt partir. Je ferais mieux d'aller les voir avant leur départ. Elle a l'air jolie cette hache, dites-moi. Ennemi vaincu, Phila. Par contre, attendez, j'ai un gros doute là. Ordre des anciens. Ouais, il nous en manque encore dans la zone, hein, on est d'accord. Ah, ah. Et eh ben écoutez, il y a bien un mec au milieu, non? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un au milieu, mais ça va être Armandès. Du coup, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain épisode, on traque celui-là, comme ça, et on ira voir les voir avant qu'ils partent. Voilà. Et ben on se retrouve très bientôt. Allez, à toutes.